Avant de commencer, je tenais à remercier ma bénédiction et Annie Moin pour m'avoir accompagnée et encadrée durant le stage. Également à Sylvie Dallé qui me permet de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Justine Ongui, je suis étudiante en deuxième année à la prépa des IMT de Toulouse et j'ai effectué mon stage à Dinafort du 11 mai au 10 juillet 2020. Et le sujet de mon stage, c'était l'identification des pollens portés par les abeilles sauvages pour déterminer leur régime alimentaire. Donc, la pollinisation, c'est aujourd'hui quelque chose qui est important en agriculture. Et de nombreuses études portent sur les interactions entre les pollinisateurs et les plantes. Et le pollen, c'est quelque chose qui apporte des informations notables sur ces interactions. Donc, les objectifs de mon stage étaient de compléter une base de données avec des photographies et des critères morphologiques des pollens afin de faciliter l'identification des plantes pouvant apporter des pollens aux abeilles sauvages. Et dans un deuxième cadre, d'analyser les données existantes sur le pollen porté par des abeilles capturées en bord de haies, lisières de bois, prairies, dans le cadre du stage de Adam Dupuis en 2016, afin d'étudier leur régime alimentaire. Donc, mon stage s'est déroulé en trois missions. Tout d'abord, j'ai réalisé une analyse bibliographique qui m'a permis de répondre à plusieurs questions. Donc, pourquoi les pollens étaient-ils utilisés en écologie ? Et quelles étaient les méthodes utilisées pour l'identification de ces pollens. Et donc, j'ai comparé deux méthodes d'identification, le barcoding vs la microscopie. Ensuite, j'ai complété une base de données. Et enfin, je vous présenterai les résultats de l'analyse des pollens prélevés sur des abeilles sauvages pour déterminer leur régime alimentaire. Donc, pourquoi les pollens sont-ils utilisés en écologie ? Tout d'abord, les pollens peuvent intervenir dans le cadre de la préservation de la biodiversité. En étudiant les pollens qui sont portés par différents pollinisateurs, on peut déterminer les plantes qu'ils préfèrent et ainsi mettre en place des moyens pour préserver la diversité de ces pollinisateurs, qui est directement en lien avec la diversité florale. Les pollens peuvent aussi être utilisés dans le cadre de la lutte biologique. Donc, de la même façon, en étudiant les plantes préférentiellement visitées par les pollinisateurs qui peuvent être utiles en agriculture, comme les aphidiphages, on peut mettre en place des moyens pour les attirer plus facilement. Les pollens peuvent aussi être étudiés dans le cadre de collections en sème d'abeilles. Donc, on peut étudier les pollens qui sont portés par des abeilles donc anciennes et ainsi déterminer les évolutions de la biodiversité au cours du temps. Enfin, le pollen peut être étudié en mélissopalynologie. Donc, la mélissopalynologie, c'est l'étude des grains de pollen dans le miel. Donc, quelles sont les méthodes utilisées pour l'identification des pollens? Mon analyse bibliographique s'est portée sur deux de ces méthodes, le barcoding et la microscopie. Alors, tout d'abord, la microscopie, c'est la technique qui est utilisée le plus habituellement. À partir d'un grain de pollen, on peut déterminer son appartenance florale. On étudie différents critères morphologiques polliniques, donc que je détaillerai plus tard. Et voilà. Et pareil, cette méthode a différents avantages et inconvénients. Donc les avantages, c'est que c'est une méthode qui permet une quantification des pollens à l'échelle de l'individu du pollinisateur. Et c'est également une méthode qui est plus rentable à petite échelle. Et les inconvénients, donc c'est une méthode qui nécessite une expertise importante. C'est-à-dire que des connaissances spécifiques en pollinologie sont nécessaires. C'est aussi un processus qui est long et il y a parfois des identifications uniquement au niveau du genre. On n'arrive pas à déterminer l'espèce de la fleur. Et il y a un manque de détection avec des taxons plus rares qui sont moins connus. Donc le barcoding, c'est la deuxième technique qui peut être utilisée. Le barcoding, c'est l'étude de régions séquentielles d'ADN qui ont une faible variation entre les individus d'une même espèce. Mais une grande variation entre les espèces. Ainsi, on observe donc cette région séquentielle et on la compare avec une base de données de référence pour identifier le pollen. Donc, c'est aussi une méthode qui présente des avantages et des inconvénients. C'est une méthode qui est rapide, donc plus rapide que la microscopie optique, qui concerne différents domaines. Elle peut intervenir dans le cadre médico-légal, etc. Elle ne nécessite pas de connaissances particulières d'identification. Et elle permet une meilleure identification des espèces. Selon une des publications de Bell en 2017, il y avait environ 70 à 90% d'espèces qui ont été identifiées.
Donc, les inconvénients, c'est surtout le coût économique qui est plus élevé. Il n'y a aussi pas de quantification directe. Et il y a certainement que dans les bases de données de référence, ce qui peut parfois conduire à certaines erreurs d'identification. Donc finalement, cette analyse bibliographique, elle souligne bien l'enjeu de trouver des techniques d'identification des pollens plus rapides, moins coûteuses et plus précises. Et c'est ainsi que j'ai pu commencer la deuxième partie de mon stage, lors de laquelle j'ai complété une base de données sur des critères morphologiques polliniques et sur des photographies de pollen. Donc à partir des 349 individus d'abeilles capturés en 2016 dans le cadre du stage de Madame Dupuis, 75 espèces florales ont été identifiées. Et donc j'ai complété un tableau sur ces critères morphologiques de ces plantes. Et également j'ai trié des plantes entomophiles, donc qui sont aussi susceptibles d'apporter des pollens aux abeilles sauvages. Donc j'ai utilisé pour cela deux bases, PALDAT et MINRA. Et différents critères morphologiques peuvent être étudiés dans le cadre de la paléologie. Alors tout d'abord, il y a la taille. Donc la taille d'un pollen, ça varie de 10 micromètres à 100 micromètres. La forme du pollen aussi varie. Il y a trois formes. Le pollen peut être sphérique, oblé ou prolé. L'aperture est également étudiée. Donc l'aperture, c'est une petite ouverture qui est présente sur la paroi d'une graine pollen. Et c'est le futur site de germination du tube pollinique. Parfois, il n'y a pas d'aperture et le pollen est qualifié d'inaperturé. Donc, on peut également étudier le nombre d'apertures. Enfin, l'ornementation est également étudiée. Donc, il y a plusieurs types, comme vous pouvez voir sur l'image ici à droite. Il y a plusieurs types d'ornementation possibles sur les tiges du pollen. Cependant, il y avait certaines de ces espèces parmi les 180 qui n'avaient pas de données référencées dans PALDAT ou MINRA. Donc pour cela, l'idée pour la suite du projet, c'était de compléter ces données-là en faisant de la microscopie sur les espèces sans données. Et donc pendant mon stage, j'ai réalisé la photo en microscopie pour deux de ces espèces, donc Sonculus oleraceus et Centaurea desiccans. Donc nous avons réalisé des images en microscopie optique en fluorescence. Donc la microscopie optique en fluorescence, elle fonctionne grâce à un objectif binoculaire qui permet de grossir l'objet. Et ensuite, plusieurs filtres sélectionnent la lumière émise par le pollen autofluorescent. Donc ici, c'est une des images qu'on a pu obtenir grâce à la microscopie optique en fluorescence. Nous avons également utilisé le microscope électronique à balayage, donc le LED. Le microscope électronique à balayage fonctionne grâce à un faisceau d'électrons qui est envoyé sur l'échantillon. Et ensuite, les électrons secondaires sont renvoyés et détectés pour obtenir une image. Plusieurs types de contrastes sont possibles pour construire l'image. Donc, par exemple, en fonction du nombre d'électrons secondaires, on va avoir la topographie de la surface. Et donc là, vous pouvez voir les images également que nous avons obtenues avec le microscope électronique. Voilà, je vais à présent vous présenter les résultats de l'analyse des pollens prélevés sur les abeilles sauvages afin de déterminer leur régime alimentaire. Donc, de manière globale, les familles des fleurs les plus consommées, ce sont les astéracées, les fabacées et les renonculacées. Les espèces de fleurs les plus consommées, ce sont Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis et Tripolium ribens. De manière générale, il y a peu d'espèces d'abeilles qui vont avoir un comportement spécialisé sur une seule famille. Ça va être le cas seulement de trois espèces d'abeilles, donc Andrena lathyri, Eucera longifacienne et Eucera nigrifaciens vont avoir tendance à visiter une seule famille de plantes. Ensuite, les genres plus spécialisés dans l'étude, donc en calculant la moyenne du nombre de familles visitées pour chacun des genres de l'espèce, pour chacun des genres des abeilles, on s'aperçoit que ce sont les eucères qui sont les plus spécialisés, puisqu'en moyenne, ils visitent 1,75 familles. Donc, j'ai également étudié la morphologie des abeilles, donc la taille de la langue, pour voir si ça peut avoir un impact sur le comportement oligolactique ou polylactique de ces pollinisateurs. Alors, majoritairement, dans l'étude, les abeilles avaient une langue courte, et on s'aperçoit que parmi ces langues courtes, la plus grande partie adopte un comportement polylactique.
Au contraire, les abeilles à langue longue vont avoir un comportement plus nuancé, puisque la moitié va adopter un comportement polylactique et l'autre moitié un comportement oligolactique avec une barre de mésolactine. Enfin, le dernier point à vérifier était l'asymétrie des réseaux plantes-pollinisateurs, c'est-à-dire de vérifier si lorsqu'une espèce d'abeille va se concentrer sur une famille ou un genre de plantes, alors au contraire, cette famille ou ce genre de plantes va se retrouver chez un grand nombre de pollinisateurs. Et effectivement, c'est le cas, puisque chez les Fabacées, on sait que le Cérat longicornis va se spécialiser sur cette famille, mais c'est une famille qu'on va retrouver chez un grand nombre de pollinisateurs. En tout, on va la retrouver chez 23 des espèces d'abeilles sur les 27 qui étaient dans l'étude. Donc finalement, la majeure partie des espèces va adopter un comportement polylactique. On s'aperçoit aussi qu'en fonction du genre d'abeille, il va y avoir un régime alimentaire plus ou moins spécialisé. Et il y a effectivement une asymétrie des réseaux plantes-pollinisateurs. Cependant, il y a certaines limites dans cette analyse, puisque le nombre de différents individus analysés pour chaque espèce d'abeille était différent. Le nombre était différent. Et du coup, il peut y avoir des erreurs. On s'aperçoit par exemple en étudiant l'espèce Yasioglossum alocorum que c'est l'espèce qui visite le plus de familles de plantes, qui va visiter 21 familles, mais c'est également l'espèce avec le plus d'individus analysés. Il y a 72 individus analysés. Donc il y a une corrélation directe entre le nombre d'individus analysés et le nombre de familles visitées. Donc c'est une des limites. Et ensuite, on pourrait adopter une approche différente sur ce régime alimentaire et au lieu d'étudier par exemple le nombre de familles, on pourrait se concentrer un peu plus sur le nombre d'espèces ou de genres qui sont visités. Donc, globalement, ce stage m'a permis de comprendre l'importance de la pollinisation. Les abeilles sauvages pourraient être utilisées dans le futur en tant que principale espèce pollinisatrice suite au déclin des abeilles domestiques donc ces dernières années. Et le pollen se comporte comme un intermédiaire dans ses études sur les réseaux entre les insectes et les plantes. Et donc, de manière personnelle, ce stage m'a permis de comprendre un peu mieux le monde de la recherche. Et je me suis aperçue que les chercheurs devaient avoir vraiment des compétences polyvalentes, autant dans le domaine scientifique que littéraire, et d'avoir des compétences organisationnelles et sociales. Et enfin, ça m'a permis de découvrir un peu plus donc le thème de l'écologie, que je pense et que j'espère approfondir plus tard dans un peu. Voilà, et je remercie encore toutes les personnes qui sont là de m'avoir écouté et les personnes en visio.